Et bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir Firefight, bonsoir l'État, bonsoir Atreuse, bonsoir Atsuka Smith, bonsoir Yanoussis, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une petite soirée tranquille, chill, en tueur. Et coucou Noubette! Ne frappe pas cette table imaginaire, Noubette. J'espère que vous allez bien ce soir. Ouais, petite soirée en tueur pour demain passer tranquillement en survivant. J'ai hâte sans avoir hâte. J'espère que le son du jeu n'est pas trop fort parce qu'il m'éclate les oreilles. Donc j'espère que vous, ça va. Bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine. On est quoi? On est mardi. Il n'y a pas eu de live hier. Donc oui, le début de semaine, ça se tient. Est-ce que j'ai pas laissé, voilà, c'est ce qui me semblait, un memento et un truc rose un peu trop abusé. Tac, tac, tac. Je sais pas ce que je mets. Hein. Hop, ça les emmerdera un peu. Et bonsoir Firefight et bonsoir Firefight. J'ai hâte de te revoir en survivant. Alors. Je pense que je vais me faire éclater, je connais plus rien, je vais pas connaître les tueurs, je vais. Voilà, je vais crier, je vais pleurer, et puis ça se passera bien. Est-ce que c'est le. Est-ce que le live est fluide? Et bonsoir Firefight. Je crois que j'ai mis une limite d'utilisation par stream ou par jour, je sais plus, du bonsoir. Il doit t'en rester un ou deux. Techniquement, tu connais les tueurs, tu les as tous joués. C'est vrai. Yes, je vais tag en random pour les survivants demain. On verra par la suite pour se faire des trucs, pour faire des games où on pourra jouer ensemble. Et bonsoir Swan. Bonsoir Léali. Mais non, ne pleure pas. Oui, bah s'il y a un survivant qui me fait peur demain, voilà. J'étais en train de commencer à dire quelque chose et j'ai totalement oublié. Du coup, voilà. Tu as pu finir la tournée des tueurs du coup. Il m'en manquait 3. Du coup, il me manquait la dernière là avec ses drones chelous. Il me manquait le deuxième tueur de Resident Evil et il me manquait le chevalier. Donc, chevalier et celui de Resident Evil, je les joue de temps en temps. Et celle au drone, flemme totale. Hein. Ok, ça me va. Oh, deux directs. Putain. Allez, viens là, il me faut des levels, il me faut des levels, madame. Je vais pas réussir. Bah, elle est partie. Bon, je sais pas où elle est. Elle devait être dans le coin toujours. Oui. Mais elle a continué à tourner alors que j'étais plus là. Ok, ça me va. Ça me va pas du tout, non. Alors, je vous explique pas la galère. Je joue avec à peu près 1 cm sur le bureau. Parce qu'il y a le chat devant qui vient de se coucher sur le clavier totalement. Du coup, j'ai pas mis un coup de tentacule. Mais par contre, une patate de forain et c'est réglé, pas du tout. Et c'est réglé. Et bonsoir à tous ceux qui arrivent. Par où je descends? Par ici. Hop, les deux. Hein. Il y a du monde à l'intérieur. Parce que lui, il suivait quelque chose. Non? Ils ont pété quoi?
Arrêtez de tout casser, s'il vous plaît. Là, toi, j'ai encore mon truc, là. Ça veut rien dire, vous m'avez compris, c'est pas grave. J'ai tapé à travers le casier. Ça me va. Bon, j'ai pas mis de coup de tentacule, mais j'en ai accroché deux. Le petit... j'ai bouffé le nom de ma perque à droite. Terra Hantée qui a fait le taf, clairement. Quand c'est pas les zombies, c'est les perques. Et un jour, ce sera moi. Et comment elle s'est enlevée, elle? Ouais, en tueur, il y en a quelques-uns que j'ai bien aimé hier. Je sais que, du coup, celle avec les corbeaux, j'aime bien. L'artiste, c'est ça le nom? Je crois. J'ai bien aimé. Une fois que j'ai compris... Ouais, c'est ça l'artiste. Une fois que j'ai compris, une fois que vous m'avez dit 50 fois comment ça marchait, j'ai réussi à comprendre et plutôt sympa. Donc, why not? Et j'ai compris ta phrase, Firefight. Il y a du monde là-bas. Ok, il n'y a personne là-bas. Si, là-bas. Ce serait cool que je passe en face d'eux. Ils ont descendu une palette dans le vent, genre. C'est pas très malin, ça. Ils ont pété mon ruine, par contre. Ça, c'est pas gentil. Ouais, non, l'artiste, c'est vraiment cool, je trouve. Enfin, faut réussir à gérer les corbeaux, réussir à pré-shot, de faire des petites lignées... une petite ligne de générateur avec les corbeaux, c'est plutôt cool. Si je le casse pas, il va pas régresser. Bah, si en plus vous me dites que c'est une des tueurs top tier, ça me va. Bon, après, en soi, je joue pas que des tueurs top tier, hein, mais. Allez, on commence à casser les trucs. Après, est-ce qu'il y en a d'autres dont je me souviens là comme ça? Et ben, je sais plus qui j'ai bien aimé d'autres. Il y en a eu d'autres, hein, sans doute, mais... En vrai, c'était cool de faire un petit tour d'un peu tous les tueurs. Non, mais toi, tu te fous de ma gueule? Ah putain, ma souris qui est bloquée par le chat. On n'apprécie pas. D'ailleurs, pour ceux qui veulent, Dissight 2 va sortir cette année. Mais le 1 existe encore ou il n'y a plus de joueurs? Parce qu'en vrai, même s'il n'y a plus de joueurs, tu vas en groupe, et c'est cool. C'est quoi cette animation buggée de merde? Ça m'a donné le coup de poing, mais ça a voulu prendre dans le casier avant. Je sais, ça fait un truc tout bizarre. Il y a des tueurs où je vois aucun intérêt. Aucun intérêt, non, mais des tueurs où je sais que je m'amuserai pas avec, oui, il y en a beaucoup. Ouais, il n'y a plus de match depuis une bonne année, ouais, sur le D-Site. Ça m'étonne pas. Non, bah, je vais pas non plus trop taper, toi. Je comprends pas trop comment il fonctionne, mais par contre les gènes ont grave avancé et ça me plaît pas trop. Ouais, l'artiste c'est particulier quand même à jouer. Je pense qu'il y a un peu plus de strat à avoir et de logique que celui-là, quoi. Bon, faudrait que je prenne le truc jaune là-bas. Ça pourrait être cool. Genre juste que le 2 va pas flop. Bah, j'en ai un peu peur parce qu'en soi, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Je vois pas trop ce que tu peux apporter de nouveau en fait sur un D-Site. Comme si tu sortes un Among Us 2. Tu fais bah ok cool, mais à part des nouvelles maps et des nouveaux persos, on va suivre les traces. Voilà. Oh là!
Allez. Bah ça c'est fini. Par contre, il y avait du monde et il n'y a plus personne. Si, ok, il était dans un casier. Non, par contre, tu me bloques le truc là. Il est dans le casier pour se cacher du zombie. Non, c'est celui qui est chelou, qui me fait des moves chelous, lui. Ouais, bah je pense qu'il y a moyen qu'ils floppent un peu, ouais, le... Après, s'ils sont pas bêtes, ils payent les... Ils payent les bonnes personnes pour y jouer et le jeu, il aura du monde le temps qu'il y a des OP dessus, quoi. Comme beaucoup de jeux. Y a pas mal de jeux qui marchent que quand, par vague quand il y a des OP. Mais je suis pas sûr de la rentabilité de la chose, quoi. Bonsoir Jackie la citrouille. Alors toi ça va pas se passer comme ça ici. Ok, y'a personne. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Ok, ça s'est pas démarré. Ça c'est pas trop démarré. Non, c'est pas du tout démarré. L'idéal serait qu'il fasse celui-là, les trois autres ils sont proches au moins. Ah bah je crois que c'est bien en cours. Mais on va quand même pas leur laisser un gène gratos. Ah oui, il est repassé là. Bah, pas compris, mais cool. Allez. Oh, il est mort. Bah cool. Plus besoin de toi ici. Ah si, il aurait pu surveiller le gène, je suis con. Tant pis. Ah. Ça m'arrange pas trop ça. Ça par contre ça m'arrange. Je le comprends pas avec ses palettes lui. Hein. Non, je vais prendre lui. Oh bah super. Ça a pété le truc, l'obstacle qui était derrière. Aucune logique. Ah par contre je change de cible, très bien. L'autre m'a pas l'air hyper utile. Oh, je pense pas que ce soit un bug, c'est juste que ça tape au bout de la tentacule. Et vu que... bah j'ai... il est passé où lui? Vu que j'ai tapé au... dans la direction, ça a pris en compte. Genre c'est pour ça que c'est pas plus survivant. Par contre c'est pas lui que je suivais ici. Ça veut dire il a fait le tour complet avant de revenir. Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Hop, crochet. Ouais, vu que ça tape le bout de la tentacule, ça a tapé la porte qui était derrière au lieu de taper la palette qui était... Ah merde. Ok, faut que j'en chope un et que je l'accroche quand les portes sont ouvertes. Je vais te demander d'en trouver un. Oh, le mauvais plan que je viens de faire. Non, ça va. Ça va, ça va. Il est parti par là. Thank you.
What? Porte ouverte là? C'est mort. Oh, ils ont laissé crever un type par contre. Ok, c'est l'autre porte qui est ouverte. Et j'ai du monde là-bas. Putain, j'aurais dû continuer à le suivre. Pourquoi il m'est détecté lui? Ah, les deux sortent. Rip, rip, rip. Ah, si j'ai réussi à taper l'autre. Ça va, 2 sur 4. C'est un peu de la merde, mais pas trop. Allez, 2 sur 4. Je valide. Je vais vous balancer une petite... la game de chauffe, comme on dit. Tout à fait, c'était la game de chauffe. Je vous balance une petite prédiction. Je vais jouer une chasseuse. Hop, combien de kills? Vous avez 2 minutes pour voter avec vos points de chaîne. Pour prédire le nombre de kills que je vais faire. 1, 2, 3, 4 ou 0. N'hésitez pas, c'est dispo. Si ça apparaît pas, vous cliquez sur l'icône point de chaîne et ça devrait apparaître. Et du coup, petite chasseuse. Ouais, c'est pas mal ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah, ça c'est encore mieux. Et c'est parti. Promis, je la lance pas trop fort la prédiatreuse. Il m'en manquait 3, j'acquis les 3 de la fin, dont 2 que je joue un petit peu de temps en temps. Et celle avec les drones qui m'intéresse pas, du coup j'ai arrêté à 3 tueurs restants. C'était déjà 22h passées, je sais plus. Je commence à fatiguer, donc je me dis, je vais pas forcer. Ça me balance un gros 2000 points là sur, sur 4 kills. Je crois peut-être un peu trop en toi. Effectivement. Effectivement, effectivement. Allez, des survivants, un dernier, on est... Ah non, ils sont tous là. Une équipe de Dwight, tous différents. En vrai, il y a des tueurs plutôt sympas. Dans les nouveaux. Enfin, dans ceux que je connaissais pas, quoi, de ces dernières années. Mais ouais, non, il y en a pas. Genre Myers, chasseuse clown au-dessus de tout. Tu crois que tu bugs? Est-ce que je suis toujours en instable? Non, ça va. La qualité de live est excellente d'après Twitch. Loni est cool, je le connaissais d'avant, mais ouais, c'est plutôt cool. Après, le truc, c'est qu'il y a tellement de tueurs. L'autre jour, en 7 heures, j'ai pas pu tous les jouer. Donc, bon. Donc, ouais, faut bien. Si tu veux prendre le temps de les jouer tous, sur une vraie game, sans qu'il y ait de liver et autres, il te faut 8 heures pour jouer une fois chaque tueur. Ça fait quand même du temps. Mais au moins je peux dire que j'ai rejoué officiellement tous les tueurs depuis que j'ai repris les lives. Moi survivant, je vais tellement reprendre Jake et m'en battre un peu les steaks des autres. Parce qu'au final, t'en joues un, ils ont pas de capacité bien particulière, c'est que les perks après qui changent. Donc survivant, ça sera pas... C'est différent, je trouve. Putain, il y avait 50 personnes. Ah putain, je me fais avoir par mon truc à chaque fois. J'entends courir. C'est ça, c'est juste des skins, en fait, d'un survivant à l'autre. Je sais pas ce que j'ai foutu, mais j'ai foutu. On va dire qu'ils y sont retournés.
Je sais même plus sur quelle chaîne j'étais. Ouais, c'était celui-là. J'aurais essayé. Ah, bien à chier mes lancers là aujourd'hui. Comme souvent, j'ai l'impression. Il y a juste les premières fois où j'ai rejoué où j'étais pas mal. Mais putain, c'est quoi ce labyrinthe? Vraiment, il y a un seul gène qui avance? On va faire ça. Bonsoir Palonia. Oh, qu'est-ce que je disais moi, ça avance pas, bien sûr. Je vais sortir avec 0 kill. Ça va me faire tout bizarre. Oui, clairement, ouais, l'intérêt de monter les survivants, c'est juste leur perk. Et après, il y a moins d'intérêt de changer de survivant que de changer de tueur. Putain, j'arrive pas à les voir. Hein. Ok, ça c'est cool. Bonsoir Culture Gaming. Je suis clairement parti pour 0 kill là. C'est un peu... Je comprends pas ce qui m'arrive. Je retrouve mon niveau de l'époque, c'est-à-dire nul à chier. Ouais, fuis toi. Bon bah on va pourchasser lui hein. Dwight, cette hache, elle est pour toi. Putain, deux gènes, j'en ai pas accroché un. Non mais par contre, monsieur, oh, même au cac, j'ai pas réussi. Une fois que t'as débloqué les perks sur les survivants, tu t'en fiches un peu duquel tu joues, tu reprends les perks que tu veux et puis voilà. Oh, un autre Dwight. Putain, il me reste une hachette. Tu m'as surpris le bâtard. Oh non! On peut dire que c'est la game de chauffe elle aussi ou pas? Ça m'arrangerait. Bah où? Ok. J'aime bien, c'est le jeu qui me dit hey, t'es en poursuite hein. Non mais je visais au-dessus là. Eh oui monsieur, t'as paniqué. Headshot. Et bonsoir Obi Vibs. Obi. Ok, c'est bon, j'en ai deux en vue. On passe aux choses sérieuses, on arrête d'être débile. Allez, Dwight le chauve, tu tombes au sol bientôt. Bah non, finalement. Il n'a pas l'air motivé pour se faire coucher lui. Bah. Ah dommage. Hop. Mmh.
C'est la game chasseuse de chauffe. Ça c'est pratique, je change de tueur à chaque game et comme ça j'ai tout le temps l'excuse de ouais mais c'est la game de chauffe. Ah, chaque fois je me loupe. Mais, sérieux? Voilà, merci. Eh, pas de soucis, Obi. À plus tard. Après, le live de ce soir va pas être très long. Parce que demain je bosse, mais vu que jeudi je travaille pas, le live du coup de demain soir en survivant sera un peu plus long. Elle était belle. Merci, merci. Il doit être par là normalement. Ah, oh, ils ont bougé. Je suis sûr ils sont dans le coin. Ils s'auto... Hop. Et ça, ça retourne de nouveau au crochet. Ah bah ok, ça ne retournera plus jamais au crochet. Elle doit être dans le coin. Déjà, on va prendre des hachettes, on devient discret. On apprécie. Par contre, trop de possibilités. Après, ils avancent pas hyper vite les gènes. Le karma va me rattraper comme à chaque fois où je dis ça. Ah, vu. Oula. Putain, si elle avait marché, je l'aurais totalement perdu. J'ai un peu cru quand même. Le petit coin labyrinthe ici, j'avais jamais vraiment fait gaffe sur cette map, c'est un peu infâme. Je t'ai vu! Belle esquive. Mauvais lancer. Mais au bout d'un moment, fallait que ça passe quand même. Normalement, palette avec la chasseuse, peu de chance de louper. Ça m'a couru dans le dos. Ou alors c'était le bruit de la map. Ça devait être le bruit de la map parce qu'il y a personne. Ah bonjour. Enchanté. Vous appelez Dwight, monsieur, peut-être. Hop. Attends, on t'appelle plus, on te ramasse. C'est bien, elle a décroché tous les 3 mètres. Par contre, j'ai plus de hachette. Oh! Elle est blessée. Elle est juste à gauche. Ah, c'est la dernière, avant-dernière, parce qu'il y a encore quelqu'un de blessé. Là, il y a encore quelqu'un au crochet, mais c'est bon. À part une trappe soudaine. Si elle a la trappe, je suis au bout de ma vie. Pas de trappe. Ça, c'est réglé. La remontada, un peu, ouais. C'est pas gagné, y a pas de crochet.
J'ai pété tous les crochets du coin. Hop! Est-ce que j'ai le temps d'aller au truc ici là? Non, j'aurais pas le temps, je sais même pas où il est. Oh, une trappe! Ah oui, non, j'ai pas eu le temps. J'ai eu la trappe, pas l'item. Hop, choisir le résultat, et bah GG ceux qui ont dit 4 sur 4. Elle se débat même pas. Non, mais elle savait qu'elle était finie de toute façon. Qui jouait? Un petit clown. Ah non, je sais. Je sais pas. J'ai eu une idée lumineuse et au final. Après une chasseuse, on passe sur la chasseuse 2.0. Enfin, le chasseur 2.0. Et par contre, faudra que je monte et que je lui augmente ses toiles à lui. Attends, mais il faut au moins que je le passe niveau 15. Quand même, un peu de respect pour les perks. Je vous mets un petit... De nouveau une petite prédit pour ceux que ça intéresse, je mets 5 minutes le temps de monter la toile. Ah oui, après je jouerai les deux tueurs que j'ai pas fait, mais pas la dernière parce que grosse flemme de jouer l'autre avec les drones. Mais ouais, après je me ferai l'autre tueur effectivement de Resident Evil et un petit chevalier. Au moins vous savez les prochains tueurs. Ça peut être amené à changer. Et bonsoir Alexou. La dame corbeau. J'avoue, bah c'est déjà beaucoup trop de tueurs que j'ai envie de jouer là. Hop. Allez, niveau 15. Ah attendez, c'était quoi ça? Toile. Ok, je veux. C'est abusé ça. Et un petit memento pour rigoler quand même. T'as jamais bu la dame au drone? Je la jouerai peut-être alors. Je vais me chercher de l'eau, j'ai oublié de prendre un verre d'eau avant de démarrer. Du coup, j'arrive, ne bougez pas. En soi, logiquement, vous êtes devant votre ordi ou votre téléphone, mais bougez quand même pas. Heureux. Je vois que les prédictions, ça vote pas beaucoup. Hein. J'ai bougé. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. On est parti sur une équipe de Kate, Meg et Claudette. Trois trous. Je vais me faire éclater. Il y a trois trousses à outils et une lampe. Ma map préférée, bah c'est une bonne question. J'aime bien celle du clown. Celle d'Amanda est rigolote.
Après, en soi, non. Après, elles sont toutes jolies en soi. Il y en a des un peu plus faciles que d'autres. Ah, j'ai peur que ça parte sur du gen rush, ouais. Donc j'espère que ce perso, ça le fera pour du gen rush, mais... On est d'accord que je suis le plus gros abruti du monde ou pas? J'ai fait quoi avant de lancer la game? J'ai monté le... Je l'ai monté niveau 15. J'ai oublié de faire quoi avant de lancer la game? Mettre la quatrième perk. Voilà, c'est tout pour moi. Oh mais quel boulet! Ah du coup si je perds j'ai mon excuse, c'est ma game de chauffe avec, avec le chasseur 2.0 et j'ai oublié de mettre les percs. Ah ça va, c'est... Oh il y a une petite prédit à 1 là? Ah bah c'est Serisra forcément. N'hésitez pas à voter full sur le 1 là sur les secondes qui vous restent. Ah déçu, personne a cancel ton vote. Je suis déçu. C'était peut-être la game où fallait voter zéro. Bon, par contre, je l'aurais pas comme ça. Putain, j'aurais pu l'avoir 20 fois. On pourra changer de map parce qu'elle est cool, hein. Elle est belle cette map, mais putain, les gènes ils vont trop vite là. Les gènes vont beaucoup trop vite. J'espérais qu'il y a un petit truc qui lui ricoche dans la gueule, mais non. Allez, la Claudette. Cette fois, tu tombes! Ok, c'est la seule qui a la torche en plus. Non, ça sent très mauvais pour moi là. Oh, elle gigote vite en plus. J'ai plus le nom. Il y a des gènes démarrés partout. Et toi, tu m'as couru dessus. Flashbang. Hop. Ah, elle m'attendait pas du bon côté. Par contre, ils se libèrent pas entre eux. Ok, ils se libèrent. Son rire est horrible. Il y a des trucs qui rebondissent de partout. Ok, elle me revient dessus. Ok, un gène. Ok, nickel. Bon, toi, tu viens de me tomber sur la gueule, hein. Et bonsoir, lag. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Ah mais tu peux l'accrocher elle. Bien sûr que oui. En vrai ça va. Trois accrochés, un gène. En vrai ça va pas de ouf. Mais... Allez là, une personne en pleine santé qui se prend un coup de batte s'il vous plaît. J'avais dit en pleine santé. Mais je prendrai ce qui me passe sous la main.
Et bonsoir Mini Blonde. Ah, je croyais l'avoir déjà accroché à elle, pas du tout. Je lui ai juste couru après. C'est bien parce que je me sers quasi pas de sac. Ah, sa mère. Ça aurait été beau parce que ça aurait été du one shot. Putain, j'ai plus de... Ah, je sais pas viser là aujourd'hui. Et bonsoir le gros JDG. Bonsoir à tous. Allez, saute! Merci. J'aime les survivants qui obéissent à mes ordres débiles. Elle est passée où? L'obsession, elle a sonne en pleine santé. C'est vrai. Non, en plus. Elle est pas en pleine santé, elle est blessée. Ça, ça m'emmerde. Parce que maintenant, j'ai peur. Et ça va être un peu compliqué pour moi. Ah merde, ça à l'étage. Quel débile. Bon, il y en a une ici. Hein. C'était peut-être pas à l'étage. J'essaie de jouer avec les rebonds, mais je sais pas comment ils... Je sais pas comment ça se gère les rebonds, si c'est des angles précis ou pas. Ah là, les gènes, ils avancent trop. Ça va être compliqué. Hein. Surtout si je cours 10 minutes après une Claudette à la con. C'est le décès si elle tombe. Alors elle va tomber. Oh, si c'est bon, je l'ai. J'ai l'impression de m'envoyer des trucs sur moi-même, c'est horrible. Elle est montée. Eh hey, mais il y a une porte. Allez. Comment ça, selon la main qui lance, je peux lancer de plusieurs mains? Et à plus tard, Firefight. Ah non, 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 non. Ah oui, oui, elle, effectivement, c'est la troisième fois que je l'accroche. Allez. Déjà, les points seront pas perdus. J'ai zéro vote sur le zéro kill au moins. Je vous sauve vos points. J'ai pas regardé. J'ai chili, j'ai pas regardé. Y'a quelqu'un qui a couru vers moi, j'ai entendu une respiration. Là. Enfin là. Là-bas. Il n'y a pas une tête ici? Non, c'est une lampe. Quelqu'un qui courait ici. Ça peut tellement être partout. Ouais, il y en a que j'ai pas encore accroché du tout. Ah, bah je me chantais. Oh, bien joué ça, madame. Hop, crochet. Ok, quelqu'un qui a avancé ce gène. Ok, ça c'était le deuxième accrochage. Sérieusement? Ok, ils sont tous les trois là.
Hop! J'ai les kunai qui me reviennent dans la gueule. Ah, nickel, j'ai le truc à côté de moi en plus. Donc on va faire ça. On recharge. On n'a pas entendu le truc... La faille chelou là s'ouvrir, si ? Non, tant pis. Des survivants à tuer, moi. S'ils sont pas fous, ils sont allés faire un gène à l'autre bout. Oh non, je l'ai arrêté. Chaque fois, je sais jamais s'il faut tenir appuyé, etc. Du coup, j'ai tout niqué. Il n'y a plus la palette, donc ça, c'est bon. Ah putain, il en manquait vraiment un. Tac tac tac. En vrai, du coup, il reste deux gènes. Ah, elle est morte. Ça va, je reprends un peu espoir en cette game. Ok, j'ai du monde. Enfin, j'ai du monde, j'ai une personne quoi. Ok, c'est la panique totale. Le farceur il est pas mal hein, niveau niveau tir et compagnie. Avec la cadence de tir, il suffit de savoir viser, ce qui me manque en fait du coup le skill pour viser. Ah, il me semblait l'avoir entendu au-dessus de moi. Elle a ressauté genre? Non, elle a continué. Oula. Ok. Je vais péter le gène. Parce que quand même, faut pas déconner. Je la pensais beaucoup plus loin, j'ai capté que quand elle a fait son petit bruit bizarre. Oh putain. Ça c'était nul. Ok. En vrai, il est cool à jouer ce tueur. Faut avoir un peu d'aim, mais ça va. Ok, nickel. Où es-tu, petit survivant? Où es-tu? À l'autre bout. Ok, il vient par l'intérieur. Je le pourchasse et je suis bon normalement. Voilà, il n'est pas venu tête baissée. Il n'est pas... stupide. Ben merci Noubette, bon appétit. Et bonsoir Lilo Aspic. Ok, ça a libéré. Si les deux sont ici, je suis bien. Ok, viser les pieds, c'est pratique, au moins ça rebondit partout. Et bonsoir Clermont. Comment vas-tu? Oh
crois qu'elle est à côté l'autre. Les gars, c'est un 4 sur 4. Je crois que dès que Clermont arrive, je fais une jolie action, ou je fais une in-game, ou je fais un truc stylé. Ah, jamais je l'atteins là-bas. Bonsoir Alicia, et ça va très bien, merci, et toi? Le petit rire du farceur. J'aime beaucoup. Et bonsoir Nina. Oui, si t'arrives à viser avec la chasseuse, normalement, le farceur, ça passe. Après, il faut taper 7 fois, quoi, avec le farceur. 6 fois. Hop. Et ben ça, c'était plutôt joli. Je vous rebalance un vote, direct, sans attendre. 2 minutes pour voter sur la prochaine... sur la prochaine, sur, je sais plus parler, sur le prochain nombre de morts. Et du coup, ça, on va pouvoir mettre ruine normalement. Voilà. Petit chevalier. Ah bah super, Clermont. Clermont qui rate toujours les débuts de live. Oh, Clermont qui vient de miser 1K, c'est ça? 1K sur 4 kills. Ok. Pourquoi pas, pourquoi pas. Du coup, il y a des points à prendre, n'hésitez pas à miser. Là, si le vote s'arrête maintenant, t'as quand même beaucoup à perdre, Clermont. Serisra, je suis sûr qu'il a voté 2. Parce que je vois qu'il y a 1 point sur 2 kills. N'hésitez pas à aller rajouter des points, toujours. Oh là là, il y a quasi 4000 points en jeu, donc quasi tout sur 4. Si je fais autre chose que 4 kills, vous êtes perdants ceux qui ont voté 4. Ah, oh, ça joue la cote. C'est beau, c'est beau. J'adore la bannière iridescente du chevalier, c'est un mini gardien du sang. Qu'appelles-tu la bannière iridescente? Soit je connais pas, soit j'appelle pas ça comme ça. Ah, c'est un add-on, ok. Du coup, oui, non, je... Ça se trouve, je l'ai, hein, mais... Oui, effectivement, Alicia, repose-toi bien si t'es malade. Alors, ça, on va péter direct parce que ça va me saouler. Le chevalier, ouais, c'est un peu tout ou rien. Par contre, me faire démarrer à un endroit random comme ça, il y a eu du monde. Ok, il y a deux personnes, dont une ici. Ah, j'aurais dû suivre l'autre. Non, ça va.
Tout alors STP. Promis, je fais tout pour tuer des gens. Vas-y, va dans le truc de mon gardien. Il aura servi à faire peur. Ah, c'est cool. Merci pour... J'oublie chaque fois le nom de cette paire qui est à la con. Bonsoir, c'est Fochan. Ah, oh, j'ai vraiment encore oublié le nom. Terrain hanté, merci. Oh là, vas-y, donne le premier coup, s'il te plaît. Oh, il y a déjà des gènes faits. Merde. Le principe, c'est qu'il fallait que je donne le deuxième coup, pas que je tape dans le vent. Ah, mais surtout que je pouvais la one-shot, je suis débile. Chevalier, jamais compris son principe. En gros, j'ai des gardes que je peux envoyer à trois gardes différents. Et du coup, ils peuvent taper le survivant. Ce qui peut aider. Et au pire, s'ils tapent pas, ils font peur. En gros, tu les envoies, ils se font leur petit chemin de garde. Et puis voilà. Alors hop, là, il l'a repéré. Il va lui courir après. Là, ça va clairement pas suffire. Ah bah, de toute façon, elle était foutue. Par contre, beaucoup trop de gènes de fait, là. Ça me plaît que très moyennement. Après, je sais pas si mon explication était très claire. Parce qu'en même temps que j'expliquais, j'essayais de me concentrer. Et je pense que j'ai dû dire des choses qui ne voulaient rien dire. Hop. Et du coup, c'est plutôt satisfaisant d'aller taper un survivant qui vient de se prendre ton un premier coup du chevalier. Pour moi, il y a encore quelqu'un dans le coin là. Des palettes sur la route. Oh là là. Non, là y a rien. Là-bas c'est clean. Ici c'est pas clean. Oh, il y a quelqu'un qui a été repéré là-bas. Passé, mais il y avait quelqu'un. Dommage. Je pense que je l'ai totalement loupé. J'ai pas appris qui court. Parfait ça. Ah bah oui, c'est plus que parfait, ouais. Ah, elle va sortir de mon épaule, elle. Ah, peut-être pas. Si, je pense qu'elle va sauter avant.
Ouais, à peu de choses. Hein. Dommage, dommage. Sauf que je sais qu'il y a 50 personnes ici. Hop, épaule. Elle est morte, elle, non? Non. Il reste deux gènes. Le marty là, je l'ai pas encore croisé. Ok, il est peut-être là-bas du coup. Par contre, le. Il y a un bruit. Je peux pas, faut que j'aille là-bas. Faut que je fasse péter ce gène là de nouveau. Tiens! Hop, le fameux marty. Nickel, sous le crochet, il va tomber. Hop, parfait. Non mais toujours plus. Ils sont trois dans dessus. Mais non, il y avait des gens sur toi. L'abus. Ah, ils se sont cachés. En vrai, oui, ça peut encore le faire. Ah, par contre, je pensais qu'il y aurait quelqu'un. Ah bah oui, oui, oui madame, où es-tu? Ça a recouru ici. J'ai vu des traces de course. Non? Ok, j'hallucine. Ok. Je sens que je vais courir dans le vide après eux. C'est pas grave. Putain, le bruit du chevalier qui tombe quoi. Il était resté dedans. Il reste un putain de gène qui va être fait. Le souci c'est que je peux pas laisser le gène se finir. Je peux pas laisser les survivants faire leur vie non plus. Là. Allez, cours lui après. Cours. Nickel, a tombé la palette dans le vent. Ok. Allez, fais le taf, s'il te plaît. Que pendant ce temps ils sont en train de le faire le taf avec le gène. Il y en a 50. Oh non. Au bout. C'est la fin pour moi là. Je l'entends. Je me suis niqué en envoyant mon garde. Je sais pas s'il était pas dans un casier. Clairement sur. Bah là clairement c'est compromis pour moi, je vous avoue.
Là. Pourquoi je renvoie un garde, bordel? Ok, c'est en train de faire cette porte. Ah, c'est tendu là. Je pense que c'est fini pour moi. Allez, cours le garde. Ha. Je sais pas comment gérer dans ces moments-là. À part mal. Ah, ils ont l'autre porte, non? Ouais, ils ont l'autre porte. Ah, ils se soignaient, ils fuient. Eh ben, les gars, c'est un zéro. Rip, rip, rip. GG l'état. Non, c'est pas l'état, pardon. Oh! Vous savez où partent vos points? À la poubelle. Désolé, ça fait mal au cœur, hein, mais voilà, voilà. Ah, c'est tout ou rien là, ça a été rien. J'ai juste vu des GG, on va dire que ils disent GG, je dis GG. Ouais. Personne ne pensait que cela arriverait. Ça fait très non mal traduit d'une perque de DBD. Et merci beaucoup Elite Monster pour le follow, bienvenue à toi. Et bonsoir. Allez, on va mettre tout le monde d'accord. On va pas mettre d'autres choses. Je fais une petite prédiction de nouveau. 2 minutes. Vous pouvez voter. Ça part sur du Myers. Les votes sont de nouveau ouverts. Ça vote petit, ça vote petit. Je vois du 10 points, du 20 points. Oh la game chevalier. Rarement fait si peu de kills en chevalier. C'est peut-être même la première fois. Et bonsoir Kenshu. Kenshu. Est-ce que je joue le clown parfois? Yes. Alors combien j'ai pas vu? Zéro Clermont. Du coup les points se sont volatilisés. Mais ouais, je joue régulièrement le clown. Et du coup j'ai juste joué au final le chevalier, j'ai pas joué les autres, contrairement à ce que j'avais dit. Ceux que j'avais pas joué dimanche. Je sais plus quel jour c'était. Et ouais, demain survie. Et on verra bien si j'arrive à survivre ou pas. Il est prestige 10, je crois. 10 ou 11. Et je pense qu'il y aura du Jake demain. C'est un peu le perso
le perso que j'ai le plus monté. Je sais même pas si j'ai des prestiges dessus, je sais même pas comment ça marche à l'époque. Enfin, si je l'avais monté à l'époque ou pas. Et ouais, Myers, toujours dans mon top 3 tueurs. J'ai dit quoi? J'ai pas dit du Jake? Ah, t'as compris, Jay, ok. Ouais, j'ai peut-être pas articulé. Je me rappelle pas t'avoir vu jouer d'autres survivants. Bah, si! Dwight Pizzaiolo. Par contre, la map. Enfin, les maps, faut tourner, hein. Ils sont trois là-haut. Et merci beaucoup Pennywise pour le follow, bienvenue. Ah, trop drôle. Ils sont en mode, y a Myers, y a Myers. Bienvenue à toi, bienvenue. Allez, on accroche et on passe au suivant. La game est déjà gagnée. Un peu, ouais. Oh, et en plus, ils me mettent ça maintenant, mais bande de débilos. Après, ça veut dire qu'ils sont en équipe et. Ah non, pas forcément. Parce que pour communiquer sur le fait que j'avais Myers et que j'arrivais, ils m'ont pointé du doigt. Ça part plutôt bien, j'avoue que là. On ne peut que dire merci aux survivants. Ok. Après ils m'ont pété mon totem au moment où j'étais déjà en phase 3, donc pas très utile. Oh, malheureusement Pennywise au niveau des builds, n'ayant pas joué depuis 3 ans, je joue le même build sur tous les tueurs. Donc c'est un des trucs sur lesquels il faut que je me penche, les builds. Oh bon bah vas-y, éclaire-moi madame. Ah il joue plus. Ah il joue plus. C'est pas mal ça. Ah si, il joue totalement. Bon bah crochet hein. Ouais, souvent le terrain hanté, il me le pète quand j'ai ma phase. Ce qui est pas forcément débile s'ils font exprès un peu. Ouais, elle s'est fail, elle. Faudrait faire un live build, et bah putain, faudra surtout pas écouter ce que je raconte, hein. Déjà, je me souviens du nom des 4 pertes que j'ai, c'est un exploit. Je m'en souviens de 2, 3, 4, c'est bon, je les ai toutes. J'ai un doute qu'il y ait quelqu'un qui soit là à la cave. Bon, on va faire ça là ce coup-ci. J'ai pas suivi correctement. Bien le moment de faire ça en pleine phase 3, je suis débile. Ça va être terminé. Ah bah vas-y, cours-moi dessus. Mais vraiment, elle est venue se prendre un coup juste pour me dire, hé, tu peux pas me taper? Je comprends pas des fois les survivants, hein, je vous jure. Là, elle va faire la palette, elle te tombe dessus. Ah non.
Hop, au sol. Ouais, t'inquiète, je t'ai pas vu, Jake. Ah, mais... Je l'avais pas vu. Toi, j'étais trop spec. Toi, j'étais peu spec. Ah ouais, fuis-toi là-bas. Derrière moi, elle. Mais quoi, il est mort? Ah mais oui, celui que j'ai accroché au tout début. Pourquoi elle me court après? Ok. J'étais en train de dire, oh, j'ai plus ruine. Sans doute en train de... Putain, je sais pas si je viens pas de marcher sur quelqu'un. Allez, je prends le risque. Elle est pas là. Ok, elle était avec l'autre. C'est con, il était sous une palette, lui. Ce qui est dommage, c'est que je crois que je suis passé à côté de... l'autre survivante pendant que j'étais avec l'autre sur le dos. J'ai du mal à s'organiser, ouais, totalement. Mais moi j'ai du mal à m'organiser avec moi-même déjà, donc je comprends pas où elle est passée. Il souffle ce bâtiment? Non. Là. Je voulais voir si je pouvais spec en même temps. Oh ouais, cette hook contre un gène, c'est easy win pour moi là. Enfin. Mais pourquoi il veut se faire taper? Je comprends pas. Je. Quelque chose m'échappe. Ça le fout quand même dans la merde, ça. Parce que maintenant faut qu'il se suture. Voilà. Ah non, t'es tombé ou pas, monsieur? Oui, merci, à mes pieds. Ouais, juste pour le troisième hit, mais ah, c'était juste pour ça. Ok, mais. Ouais. Il se serait enfui. Ça aurait été bien plus efficace, quoi. À la limite, quand tu utilisais le couteau, ça te remettait toute ta vie. Non, par contre, fallait pas me le mettre dans la gueule, ça. J'étais loin, monsieur. En vrai, le... Decisive Strike, c'est ça le nom, là, du truc avec le couteau. En tout cas, la perque au couteau, là, le couteau de Laurie, ça serait cool que ça te soigne. Du coup, t'auras un vrai intérêt à forcer le tueur ou à te faire récupérer. Ah, écoutez. Ok. Par contre, il m'en reste. Il commence à faire un peu des gènes là. Ce serait beaucoup trop fort. J'avoue, mais ouais. Juste les tueurs, en fait, t'apprends jamais. Tu vois que quelqu'un vient devant toi, tu le tapes pas quoi. Comme je l'ai fait, ou alors tu le laisses au sol. Sauf qu'elle ne sait pas que j'ai la perque chili barbecue. Oh. Ah, ah.
Je vois qu'elle me te prendre des coups, monsieur. Il a pris la petite trousse de soins, sans aucune forme de respect pour moi. Sauf vous êtes trop nombreux là pour une cabane. Il est un peu maso. Un peu. Pourquoi il m'a pointé du doigt quelque chose? Mais tu vas faire quoi maintenant, monsieur? Parce que là, concrètement, avec deux portes... Ah, c'était joli. Ah bah non, ça change rien qu'il y ait deux portes ou une. Bon, à un moment, faut que j'arrête de lui courir après et que je le tape. Il est maso, mais pas mauvais. C'est le problème. Oh, il va me faire tous les... Par contre, les gènes, là, ça commence un peu trop à être fait. Nickel. Comme quoi, changer de type des fois, c'est pas mal. Ok, toi là-bas. Est-ce que je peux te spec? Pardon. Faut arrêter avec les trappes qui me spawnent dessus, bordel de merde! Quelle était la proba que la trappe me spawn dessus? Enfin, pardon, quelles sont les probas que. 8 games sur 10, les trappes me spawnent dessus. Bon, bah de toute façon, Myers 4 sur 4, hein, c'était fait. C'était sûr. C'était absolument pas sûr. J'ai eu de la chance avec la trappe. Elle aurait pu l'avoir à très peu de choses près. Payer la trappe vraiment. Bah on dirait ouais. Je suis plutôt surpris de cette belle trappe. Je pars sur qui? Un clown, ça fait longtemps. Ah, je voulais voir un truc vite fait. Tac, tac, tac. Au niveau des... Je regarderai plus en détail demain, je veux juste voir... Ah oui, il m'en manque un paquet. Il n'y a que Jake où j'ai des trucs montés dessus, bordel. Ok. Ah oui, putain, je... Ouais. Peut-être abusé sur Jake, quand même. On repart en tueur. Je voulais juste voir un peu les au niveau des... À quel niveau ils étaient, et du coup j'ai que Jake. Hop, équipement.
Ok, ça on dégage. Et c'est parti. Je rebalance une petite prédiction pour ceux que ça intéresse de faire des petits paris. Hop, 2 minutes, c'est parti. Ah, il est beau mon clown. Mon clown poussin. Après, ça fait longtemps que j'ai pas joué le clown. C'est où? Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Non, pas celui-là. Oh, il y avait celui-là qui était magique. Et lui. Ah, bah. Ça ne m'intéresse plus, marre de perdre. Bon, bah, ça sera celui-là. Le jeu, on a décidé ainsi. Monsieur Pedel. Ah non, ce sera du Monsieur Pedel. Bon, au moins, je sais pas qui a mis un point sur 0 kill. Et ça permet que les points ne soient pas perdus, c'est plutôt cool. Tous les skins du clown sont magnifiques de toute façon. C'est quand même un des persos les plus dégueulasses du jeu, quoi. Et bonsoir Kali. Et c'est parti, une petite game de Monsieur Puddle. Il y a une réelle ref au Monsieur Puddle ou c'est... Ou c'est juste... inventé? Si on a une, je la connais pas. Ok, ouais, c'est un truc... C'était un concours organisé par les devs. Ok. Non, ils l'ont pas inventé. Donc il y a une ref, s'ils l'ont pas inventé. Ou alors c'est que c'était un concours et ils se sont inspirés d'un truc. Et ils ont inventé l'histoire autour. Enfin, inventé l'histoire, il n'y a pas vraiment d'histoire pour le film. C'est un film. Ok. C'est la commu qui l'a designé. Ok. Oh, je suis souvent sur. Ah si! Je suis souvent sur cette map et en même temps j'étais en train de me dire. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, madame? En même temps j'étais en train de me dire que sur cette game j'ai fait une très belle game avec. Pyramide. Je sais plus si c'est son vrai nom. Le tueur de Silent Hill. Que j'ai bien aimé. C'est le bourreau, son nom? Possible. Je vous avoue que j'en ai pas la moindre idée de son nom au. Au perso de Silent Hill. Hop, on va chasser celle-ci. Ok, en fait, j'ai fait tous les gènes sauf celui où ils étaient. Ça, madame. Mais c'est la même, non? Non, c'est pas la même. Elles ont juste la même tenue. Et la même fâcheuse tendance à venir me faire des câlins. Du coup, vous avez le verdict de d'où vient Monsieur Puddle ou pas?
ça. J'ai jeté toutes mes bouteilles, mais comme un débile. Ah, il a pas fait de bruit en passant la fenêtre. Ah bah, ça c'est ballot, monsieur. Le film All Dark Place. Ça ne me parle pas. Puddle veut dire flaque en anglais, la ref un mug puddle, flaque de boue dans laquelle se roulent les éléphants. Ok. On sait jamais, ce n'est pas passé. Ça a donné un coup, j'ai fait espace. J'ai enfin fini cette connerie de glyph. Ils ont piété ni ruine ni terre hantée. Ce qu'ils font. Oui, je parlais de l'inspiration pour le skin qui s'appelle Monsieur Puddle. Ok, pour le coup je savais pas non plus que le perso du clown était inspiré plus ou moins d'un film. Il est passé où? Ils m'ont pas pété ruine? Ah mais c'est à zéro, je suis con. Ah bah. Oh là, il y a une petite réunion dans la maison. Réflexe de pas baisser la palette alors que d'habitude ils ont le réflexe de les baisser trop tôt et pas là. Tous les tueurs non sont pas forcément issus de film en soi. Après t'as les tueurs originaux des BD mais qui s'inspirent de films. Et après t'as les tueurs sous licence qui là sont clairement les tueurs du film. Genre le Monsieur Puddle, même s'il est inspiré d'un film, c'est pas un tueur sous licence, donc c'est juste inspiré du film et c'est pas en collab avec quoi. Ah, ça va libérer, je viens de voir une tête passer en courant là-bas. Allez, on coupe la route. Promis, je t'ai vu. Par contre, ils sont en train de me faire les gènes là un peu, non? Bonsoir Nidorio. Bah, prochain, non? Putain, les, pro
accrochés, ils sont loin. Oh, elle va péter le crochet devant moi, la madame. Toi là, tu m'as empêché. Tu es ma cible prioritaire numéro 1. En principe, une cible prioritaire, vous me direz. Hop. Toi, personne vient te sauver, madame. Hein. Je suis désolé. Par contre, ça va aller, Chili Barbecue, qui me détecte un seul pauvre type à l'autre bout de la map, là. Ouais, forcément, parce qu'il y en avait un collé à moi. Il était dans le coin. Ghostface, il est sympa en vrai. Il est plutôt sympa. J'ai bien aimé aussi, ouais, Ghostface, effectivement, l'autre jour. Parce qu'il y a deux jours, au dimanche. Ça faisait 3 ans que je l'avais pas joué et plutôt, plutôt cool. Renou bête. Là-bas, il y a du monde. Non, je veux pas ça. Voilà. Beaucoup trop tôt la palette, madame. J'ai juste dû passer à gauche au lieu de passer à droite et c'était fait. Le spirit avec les cheveux longs noirs, je suppose. Ok, ils sont tous là-bas. Pas tous. Ils sont deux à être tous, quoi. Non mais je t'ai vu en fait, à partir du moment où je te jette 3 bouteilles sur la gueule, c'est que je t'ai vu. Ok, elle a continué, je pensais qu'elle allait faire des droites gauches dans la maison, mais non. Trop en ligne droite. Non mais tu peux pas troll. Là, tu peux pas faire en mode essuie-moi quand tu tombes 4 secondes et demie après quoi. Voilà. Les palettes étaient baissées un peu trop vite. Ce qu'il y a de bien c'est que je vois les trucs que font les survivants. Qui me facilite la vie en tant que tueur. Du coup, j'ai une idée générale de ce qu'il faut pas faire quand je jouerai survivant. Oh, j'ai pas pris le bon chemin. Hop, comment se débarrasser d'un survivant. Ah,
Par contre, il reste un gène. Ah, par contre, je sais pas où elle est partie, la Laurie. J'étais pas concentré sur elle. Bah, la voilà. Allez, Maurice, sans passer à vos crochets, c'était un peu l'enfer quand même avant. Je le conçois. Ça m'arrange pas. Je crois qu'elle était par là-bas. Ok. Ça me va. Enfin, ça me va, oui, non. Mais. En partant du principe que Laurie va pas se soigner tout de suite, il vaut mieux que j'aille taper lui. Ok. Elle est venue se prendre un coup gratos. Et j'ai refait la même à passer là-dedans. Idée de merde. Il est à l'étage. Il fait un de ces bruits, lui. Ouais, le son est mal. Spatialisé, ça se dit. Je sais pas si ça se dit. Mais ou alors c'est mon casque qui me. Non, pourtant d'habitude j'ai pas de soucis dans ce genre de truc. Fais chier. Fais pas chier. Je sais pas, mais on a compris. Ouais, vous avez compris l'idée du son spatialisé là. Oh, sa maman, c'est trop loin. Non, allez, au crochet, toi, tu me saoules pas. C'est bien. Ouais, mauvaise langue, la trappe, elle est pas sous mes pieds. Ouais, t'avais revoté en plus, clairement, merde. Ah là, ça va, je suis bien lancé, fallait voter 4 kills. Je n'ai aucune idée de qui jouer là. Ah si, je voulais jouer le bourreau. Vu que... Normalement, ce tueur, c'est le bourreau. Ouais, bah ça me va, ça. Merci pour vos GG. Le bourreau. Non mais vraiment. Eh ben on va partir avec juste Chili. Je ferai une dame au drone pour nous bête juste après. Je vous mets une petite prédiction, sachant que j'ai qu'une perque sur celui-là. Hop, prédiction, ok. Je te fais la dame au drone juste après, Noubette. Ah, c'est beau de prendre des risques, clairement. Les votes sont ouverts. Merci, les seuls votes pour le moment c'est sur 0 kill, on apprécie. J'aurais pas le temps de jouer Ghostface aujourd'hui malheureusement. Je pense que je vais faire bourreau, dame au drone.
Et je m'arrêterai là, je pense, pour ce soir. Que demain je travaille et du coup demain soir à peu près à la même heure qu'aujourd'hui si jamais il y aura un petit live survivant, un petit moyen long, on verra bien. Et refirefight, il est encore temps de voter. Firefight bourreau avec juste une perque, ouais, je pense à me faire drôle survivant. T'as toujours pas réinstallé le jeu, clairement, je suppose. T'as pas encore perdu ton état mental? Genre clairement il a désinstallé des BD. Si vous êtes chaud, clairement nous bête demain, moi je serai pas en vocal, mais au moins histoire d'avoir des survivants un minimum fiables dans les games, si vous êtes chaud ça peut se faire. Comme ça, vous donnerez votre vie pour me sauver. Ou l'inverse. Ou me laisserez mourir. Non, j'installe pas ce jeu des enfers. Eh bah super. Noubette qui souhaite ma mort. C'est comme ça que je le comprends. Ah merde, elle est descendue. Qu'est-ce qu'elle fait? Ça me va. Eh, de toute façon, je compte pas jouer en mode tryhard hein, demain. Ça va être chill total. Un mec qui joue plus à DBD depuis 3-4 ans. T'as bien raison en vrai. Non, en vrai, le fait d'avoir fait une pause, ça m'a. Je pensais juste faire un petit live et plus forcément y toucher. J'oublie que j'avais ça moi. Ah non, faut pas non plus penser que ça va si loin. Allez, prends-toi le barbelé! Non, ça va pas si loin. J'y arrivais mieux l'autre jour. Oh, peu de choses là. Elle aurait pu se prendre mon tout petit bout de barbelé. Non, c'est chiant si tu joues effectivement avec des gens qui sont en mode full tryhard, ultra ultra jugeant, on va dire. Je sais pas si ça se dit. Bonsoir Tom.
Ah, DBD, c'est le genre de jeu, faut. Si tu joues en multi, faut y aller chill. Ou alors tous en mode tryhard, mais pas en mode. Si on t'impose le tryhard, c'est foutu. Vous toucherez plus à ce gène, bordel. Bah, vraiment? Elle est rentrée? Dans le casier? Non? Elle est où? Ok, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Oh, clairement, demain en survivant, je vais essayer de jouer bien, hein, mais. Si je peux courir 20 minutes autant d'un obstacle avec le tueur aux fesses, moi ça me va totalement. Par contre j'en ai ah si j'en ai accroché deux. Je sais pas si ça passe les obstacles cette connerie en vrai. Allez petit barbelé non? J'ai une Claudette à côté. Ça traverse les obstacles et les murs. Ok, je sais juste pas viser. Ça m'allait bien la version que ça traversait pas les obstacles. C'est ça, avec qui je joue demain? Bah clairement, il n'y a pas le choix. Là-bas, c'est toujours pété. Oh la game moisie. Bon, elle est où la Claudette qui était par là? Bon, c'est pas une Claudette, mais je dis oui. Moi avec ce tueur j'ai un axe d'amélioration possible quoi. Et là. Parfait. Si vous avez hâte de me voir jouer en survivant, rendez-vous demain 19h à peu près. 19-20h. 19 plus. Oh non. Voilà, j'ai dit que je voulais une Claudette là.
Ah, vous viens me faire un câlin, y a pas de souci, toi. Si je peux te taper, c'est encore mieux, mais je vais pas te demander non plus. Elle descend la palette, c'était sûr. Oh, j'ai pas anticipé les trucs. T'es resté sur le monticule. J'étais bloqué pendant genre bien 10 secondes de plus si elle restait en haut et que moi je passais par en bas. Là, il y en a un. Non, je vais jamais avoir le temps. Si, je vais avoir le temps, il est à l'extérieur. Ouais, nickel. Et coucou Clary. En train de décrocher. Ah, j'aurais dû balancer mon attaque à distance. Bah oui, mais après, si tu viens de coller à moi pendant mon attaque à distance, t'es au cac après, madame. Y'a pas la montée qui est partie. Oh, c'est en train de finir le gène là-bas. Oh, je sais plus où étaient les traces. Visiblement ici. J'ai aucun encage là. Je suis presque déçu. Par contre, je commence à en avoir accroché un paquet là. C'est quand qu'il commence à mourir? Parce que les portes vont bientôt être ouvertes et c'est fini une fois que les portes sont ouvertes. Ok, deux ici. Je sais pas où elles sont passées. Elles ont déjà passé la maison. Ouais, faut que je mette une nulle part où se cacher effectivement au niveau des perks. Mais prochaine fois que je joue tueur, je prends un moment en début de live ou au milieu du live pour parler perks, pour que vous me conseilliez un peu. Parce que vous me donnez des conseils, mais je les oublie. Déjà quand je me dis tiens faut que je change tel truc, je mets à peu près 8 parties à m'en souvenir. Si je dis pas de bêtises, clairement la perte elle fait que quand tu tapes le gène, ça te révèle les gens cachés autour. Enfin ça te met tout le monde en évidence. Voilà. Clairement de nouveau sur l'autre gène là. Là suffit que j'en accroche un, il meurt quoi. Quoi, ça a pas tapé? Ah bah y'a personne. Bah super. Mori possible sur Claudette. Sauf ça m'arrange pas de faire des Mori. Parce que si je fais des Mori, ça veut dire que je vois pas l'aura des survivants. Ouais, j'ai l'impression de jamais les voir. Mais...
Allez, on prend le risque. On prend le risque, on fait pas le gêne. On court après la dame. Allez, on va le plus loin possible et on espère que le dernier, il est loin. Nickel. Moins nickel. Quoi? Oh putain, il en reste deux dans ma tête, il en restait moins. Je sais pas pourquoi. Ok, j'ai la deuxième. Ah, c'est mort, je la lâche pas, elle. S'il y en a une qui se relève, tant mieux pour elle. Mais mort, elle me passe à côté pendant que je suis en train de taper sa pote. Hop. J'aurais peut-être dû aller en bas. Parce que là, la dernière pour l'accrocher. Ah, mais c'est la Claudette, vous m'avez dit que je pouvais la mourir, non? Là, si elle attrape sur elle, je pleure. Je crois que j'ai jamais vu son son memento en plus à elle. Ah, par contre, faut que je la retrouve. Ah oui, effectivement, c'est un Mori Express, ouais. Ah, ça a été un coup fini. Putain, je l'aurais fini sinon. Bon, et ben on va passer sur la dernière game. Putain, elle a été longue celle-ci. Ouais, c'est pas vraiment un memento, ouais. Je confirme. Du coup, j'ai pas fait la prédiction. Hop, je relance la prédiction directement. GG à ceux qui avaient bien parié. Et hop, prédiction suivante pour la dernière game de la soirée. La dernière game avant de jouer survivant demain. Et du coup, on va jouer Madame Drone. C'est le moment de miser. Ah là, c'est vraiment... Je peux aussi bien faire 0 que 4, quoi. Avec elle, c'est... Je l'ai joué une fois. Le beau 6-6-6 sur 0 kill. On apprécie. Bonsoir Quentin. Ah, c'est Clary qui a mis 666. Tu mets 2k sur quoi? Je peux mettre 2k sur 3 kills? Ou sur 2 kills? Je sais pas en vrai. Allez, on va dire que 0, il y a moins de chances que je fasse... pas 0, 1. Soit je vais faire 0, soit je vais faire du plus, mais c'est rare que je fasse 1. Du coup, si tu veux perdre 2k pour les... Eh ben, c'est 2k sur 1. Du coup, ça fait un petit 5000 points quasi au total, là. Plutôt joli. C'est la distribution. Ça, Tom, il parie ses points pour que ce soit les autres qui les prennent.
Et les votes sont quasi finis. Je crois que ça a bugué. Ah non, c'est bon. T'as mis 5000 points, nous bête. Nous bête qui a foutu 5000 points à la dernière seconde. Du coup, ouais, ce... Après, j'ai peut-être pas toutes les mécaniques de cette tueuse, mais... En gros, tu poses des drones et si quelqu'un passe dans la zone, tu le vois. Enfin, ça le détecte, ça fait un truc chelou, ça bip de partout. Je sais plus exactement, mais... Ouais, elle fait un peu trop humaine... Elle fait trop humaine et pas assez tarée. Du coup, tu auras joué tous les tueurs sauf Mastermind, mon préféré. Et bah, Jackie la citrouille, demain, après les games survivants, je fais une game avec, avec ce perso-là, en tueur. Et merci du follow, Wolf Diabolo. Oh, je sais plus ce que c'est, inspection radar et compagnie. Oh là là, c'était dur ce premier kill, dis donc. Enfin, cette première attrapée. Cette première poursuite. Je sais plus parler. Heureusement que c'est la dernière game. Il y a quelqu'un qui a déjà couru dans le coin. Voilà, ça fait des choses bizarres, je sais pas à quoi ça correspond, je sais pas comment ça marche, je sais pas pourquoi j'ai un radar dans la main. Ah ok, s'ils pètent le drone, ils sont visibles sur le radar ensuite. Tu peux en mettre tellement de drones, c'est n'importe en vrai. J'ai combien de drones? 4? Je voulais pas du tout le mettre ici. C'est moi où il a sauté. Il a totalement sauté. Il a pété le drone? Non. Non mais il va pas décrocher, je vais te taper monsieur. Bon, un vieux contre un vieux. Hop. Ça se voit à peine que c'était le même. Par contre, il y a quelqu'un juste là. Non? Il y a totalement quelqu'un juste là. Ah! C'était pas trop dégueu ce qu'il a fait, et moi c'était totalement nul. Il y a un totem dans votre jardin ici, non? Non, déjà utilisé. Enfin, un totem, un crochet. Il s'entraide pas trop. Du coup, c'est un grand oui pour moi.
Ça, c'est un grand nom. Ils doivent être fous, ceux au crochet, là. Non, bah, le seul que je vois, c'est lui, hein. Il va mourir. Je suis désolé. Cave direct. Par contre, ils sont pas. Enfin, genre, ils ont libéré. Le type a libéré celui qui était sur le crochet. Et le crochet juste à côté, il l'a pas. Il a mis du temps, quoi. En restant sur la touche contrôle, tu peux rappeler tes drones et les réactiver à distance. Ok. Pas dégueu ça. On est déjà partout. C'est nimp. Ça c'est là où il a bipé du coup je suppose. Quelqu'un qui est passé dans le coin. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un dans le coin, le fait que ce soit... Non. Non. Ah mais il y en a un qui a live. Très bien. De toute façon il était mort, donc ça change rien, on s'en fout. Je comprends totalement le live de la personne pour le coup. Rester accroché pendant 10 minutes c'est pas ouf. Enfin je comprends pas, je comprends pourquoi il l'a fait mais... Je comprends quand même pas la logique de Liv. Un peu de chose, hein, ça pouvait passer. Non, pas la palette. Le gameplay du joueur que je joue, clairement. C'est pas le truc le plus fou quoi. Si tu poses des drones et voilà. Et après tu fais une game normale, on va dire. Et puis ouais, même les games contre lui, ça doit être un peu... Parce que genre juste il sait quand t'arrives dans un coin, du coup bah il revient. Ouais. Bah, lui là-bas qu'est-ce qu'il fait? Il y a pas de... Il y a rien. Ah, il reste ici, ok. Est-ce qu'il serait pas à la cave? Dire qu'il est pas à la cave. J'aurais peut-être dû baliser les portes. Enfin, droniser les portes. Ouais, c'est clairement pas le gameplay de l'année. Hein. C'est lent. Ils font pas les gènes, ils font quoi? C'est lequel qui a bipé là?
Ça me détecte quoi là, un survivant? Le drone? Ouais. Ok. Ok. Ah, casier. Qui je suppose se trouvait en bas. Je sais que j'ai des casiers dans le coin. Je sais pas s'il était en bas du coup. J'ai entendu un casier dans le coin, donc je sais qu'il est dans le coin, mais... Ok, il n'est pas resté caché dans un casier. C'est plutôt cool. Par contre, alors on va pas aller sur celle qui est blessée. Non, non, faut pas se mettre dans un angle, madame. Je le dis à chaque fois, pas les angles. Hop. Ouais, ça passe, ça passe. Ok, c'est comme ça pour appeler des drones. Check est dans le coin, c'est frustrant. Ok, elle était effectivement dans le coin. On refait exactement la même chose. Ah, puis vraiment la même chose là. Bon, elle meurt instant et du coup il restera que l'autre. J'ai pris l'autre entrée cette fois. On va dire que l'autre était parti par là. Ah non, elle est pas morte instant en plus, elle. Là, il y a un drone, elle a pas pu passer là. Oh! Nickel. Ah! Je pensais qu'elle se serait... retourner, et bah c'est bon. Et bah c'est un 4 sur 4. Normalement. Oui, il y a un crochet ici. Ça fait quoi du coup si je rappelle un drone? Ah non, ça les... Ok, simplement. Et bah le 4 sur 4 pour finir. Hop. Bon, et bah c'était bien cool. Demain, soirée vers 19h, 20h, survivant. Je terminerai par le mastermind, promis. C'est le seul que j'ai pas rejoué. Richesse, ah bah là ouais, 11k vont à Noobette et 3 autres. Et bah GG, ah oui. Après, Noobette avait mis 5k dans les 11, mais voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir été là, merci pour vos follow, merci pour votre présence. Je vous dis à demain, bonne soirée, et à demain. Bon, le rush kit, il comptait pas. Bonne soirée, ciao.